Face au COVID-19, il a été retenu pour abriter un centre de traitement. Le centre a une capacité de 59 lits, donc destiné entièrement à la prise en charge de ces malades-là. Le centre a été réquisitionné par l'État du Sénégal, donc c'est le deuxième centre qui est ouvert après celui de Fane. Le CT occupe un bâtiment flambant neuf destiné au pôle mère-enfant qui allait ouvrir sous peu. La structure est dirigée par une jeune infectiologue, ancienne interne des hôpitaux. Depuis l'ouverture de ce centre, on a eu à hospitaliser au total jusqu'à ce jour 115 patients, dont 88 guéris, donc ce qui nous fait quand même un taux de guérison qui tourne aux alentours de 80%, alhamdoulilah. Dans l'hôpital, la circulation est strictement réglementée pour une sécurité maximale de tous. Thermoflash à l'entrée, lavage des mains et solutions antiseptiques. À l'accueil, une cloison isole l'usager. Il est soumis à une prise de température et à un questionnaire. Si c'est un cas suspect, il appelle le médecin de garde qui vient confirmer. Et dès qu'il confirme, il appelle le médecin d'astreinte qui confirme. Ensuite, on appelle le médecin urgentiste qui est résident au niveau de l'hôpital. Djamia Diou s'était préparée à toutes les éventualités bien avant. Il y avait déjà une organisation qui s'est faite au niveau de l'hôpital pour une éventuelle prise en charge de cas. C'est ainsi qu'un comité a été mis en place. Le centre de traitement compte un personnel civil et militaire pluridisciplinaire. Des éléments de Djamia Diou, médecins, pharmaciens et techniciens, sont venus en renfort spontanément. Le personnel de l'hôpital même s'est porté volontaire pour aller en appui à ce personnel qui est là-bas. Il y a eu un pédiatre qui a rejoint l'équipe et qui depuis lors travaille donc à temps plein sur le centre. Entrer dans un lieu de prise en charge d'une maladie hautement contagieuse pour une équipe de télévision n'est pas entrer en studio et requiert des préalables. Les hygiénistes ont un rôle important dans un tel environnement. Nous d'abord sécurité, maladie d'abord, sécurité infirmiers, sécurité médecins et sécurité nous sommes. Techniciens et journalistes se soumettent à la règle, il faut se faire assister pour passer dans la combinaison qui n'est ni un smoking, encore moins une légère robe de soirée. De pied en cap, la couverture est totale, pas pour un voyage lunaire, mais une rencontre avec un malade. Fadmoum, alhamdulillah, vraiment on est satisfait, alhamdulillah. On est très bien, vraiment. Le traitement est donné suivant un protocole bien précis. C'est un traitement qui est symptomatique, donc fait essentiellement de ces multivitamines-là, dentalgiques et également le protocole avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Bien évidemment, après avoir éliminé une éventuelle contre-indication à ces molécules-là. Djamia Diou étant d'abord un établissement pédiatrique, pas étonnant que l'on retrouve dans l'effectif des enfants en soins. Il y a 16 enfants qui sont hospitalisés, il y a toutes les tranches d'âge sont partagées. Donc il y a des jeunes nourrissons de 1 mois, de 18 mois, 23 mois. Il y a aussi des grands enfants de 12, 13 ans jusqu'à 14 ans. Avant le début de la thérapie, les soignants préparent le malade au plan psychologique. Au cours du séjour hospitalier, si la situation se dégrade, le sujet en détresse respiratoire ou cardiaque est admis en réanimation. La surveillance devient alors plus rapprochée. Ceux qui se sentent mieux peuvent aller bouquiner. Ils ont la possibilité de venir prendre des livres, de lire. Il faut juste ne pas ramener en rentrant. Si on peut dévorer des livres, la vraie alimentation arrive pile à l'heure en quantité et en qualité. Ce qu'on mange ici, c'est ce que l'on sert à Fane et à Dalaljam, une harmonisation des menus souhaitée par les autorités. Le ministère a demandé à ce que le menu pour les malades donc soit harmonisé. Il y a des malades qui ont un régime particulier. En attendant un test négatif, cet homme contaminé par son fils, un cas communautaire, et comptant au total 4 infectés dans sa famille, averti. Impossible pour les malades de savoir la personne si bienveillante sous ses protections durant tous ces jours. Tout juste retient-il les voix et les noms inscrits sur les épis. Et quand sonne l'heure du départ, le malade guéri tient à savoir qui est qui. Ils insistent pour voir nos visages. Ouais, jusqu'ici, il n'y en a pas un qui est rentré sans nous voir. Dès qu'ils sortent, ils descendent des escaliers, ils disent « je veux vous voir tous ». C'est une curiosité de personnes qui l'ont échappé belle, loin de l'ingratitude, un bel élan de reconnaissance à l'endroit d'une équipe soignante dévouée et engagée sans répit sur le front périlleux de la riposte.